Et plop les gens, bienvenue sur ce nouvel épisode de Hot Sparks, an Automation Adventure. On en était, je crois qu'on arrivait à la fin du niveau 3, voilà. La fin, je sais pas. Mais on venait de débloquer plein de quêtes avec plein de gens. Ça fait au moins une semaine, peut-être même deux, que j'ai pas streamé. Donc j'ai très bien fait de ne pas commencer à lire toutes les quêtes l'autre fois, parce que j'aurais dû toutes les relire maintenant juste pour savoir ce qui se passe. Alors, on va commencer par les sœurs qui viennent d'arriver. Elles étaient là depuis le début, mais... Elle ne voulait pas nous parler. Colt et Taïdebi, les sœurs maçonnes, cherchent à concevoir des constructions destinées à la récolte et au travail de la pierre. Elles ont besoin de matériaux locaux pour tester leur idée. Vous livrez. D'accord, elles n'ont pas de discussion. On va voir le marchand, après on va voir le papy. Puis la mairesse, tout ça. L'intermédiaire veut construire un métier à tisser que les Sparks pourront utiliser pour fabriquer des objets à base de fibres. Il a besoin de matériaux pour y parvenir. Il faut notamment un tendon de manchoulpe. Le ligament lisse est extensible d'un manchoulpe des montagnes. Bien ce qui me semblait, le quartz on n'en avait pas du tout vu dans le biome prairie-forêt. Du coup j'avais l'impression déjà que le quartz il fallait aller dans les montagnes. Et là le tendon j'en étais à peu près sûr et il le confirme. Il faut aussi des feuilles et des écorces. Ok. Ensuite papy. Le divinologue veut créer le Sparks Caillou. Mais de où il le sort le Sparks Caillou? J'en ai jamais vu moi. Et pour ça, il doit construire un générateur de Sparks de pierre plus grand en se battant sur l'autel du Sparks Caillou. Il va avoir besoin de matériaux pour terminer ses travaux. 80 de pierre, c'est bien, je vais pouvoir m'en débarrasser. Des Sparks souches. Ouais, donc il y en a besoin. Et des cailloux. Ok. Si j'aurais peut-être pu. Oui, j'aurais peut-être pu prendre sa quête. En épinglé. La mairesse veut agrandir le village et continuer à l'améliorer. Elle espère ainsi motiver de nouveaux experts à s'y installer pour t'aider à en apprendre davantage sur les Sparks. Elle va avoir besoin d'une grande quantité de matériaux pour mener à bien son projet. 60 plaques de pierre, 100 calcaire et 140 cordes. Le forestier estime que tu auras besoin d'un approvisionnement constant en feuilles et veut trouver un moyen de les récolter directement avec une fendeuse. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Celui-ci, on va l'épingler parce que pour faire les sparks. Bon, il s'appelait déjà là, les pigmines pousses. Il y avait besoin de trouver des feuilles comme ça là. Sauf que faire ça, c'est légèrement long et pas garanti. L'intendante veut faciliter ton exploitation des montagnes en concevant de nouvelles recettes pour ton atelier à bois. Une échelle pour gravir les hautes falaises et des rampes sur lesquelles faire passer les chemins. Elle a besoin de matériaux pour avancer. 120 poutres. 60 panneaux de bois, 20 pierres. L'écorce c'est bien. Panneau de bois, poutre, oui.
parti. Comment on fait dire Y avec... Je veux... Voilà, ça. Déplacer ça ici. Déplacer ça là, déplacer ça ici, et on redéplace tout d'un cran encore. C'est mieux. Parce que je préfère que ça, ça soit rempli avant le tonneau ou le tonal. Oh, t'as besoin d'éclat, ce serait bien qu'on ait une production d'éclat en continu aussi. Écorce, spark. On va d'abord regarder pour le forestier et puis... On verra après pour les autres. Ici on a une production d'écorce. 2, 4, 6, 8. On en voulait bien 4 heures. Donc c'est parfait. On voulait aussi des sparks coupants. Donc il y a un hélico qui passe. Là on a de quoi rendre coupant des trucs. Ouais, je crois que les sparks coupants, je les ai laissés là-bas. Si ça se trouve, c'est pas du tout ici. Si c'est pas là, je... C'est pas ici, je regarde la carte, c'est bel et bien ici, j'ai une mémoire. Alors déjà, je veux faire légèrement de la place. Ensuite, il faut faire beaucoup plus de place. Je n'ai rien commencé à automatiser sur celui-ci. Ce serait peut-être bien quand même de... C'est pas ça que je voulais. Le chemin, c'est pas comme ça que je voulais. Le... J'ai l'impression qu'avant, on pouvait aller directement sur ce menu-là et que maintenant... De passer sur le... Oh. Je vois en bas à gauche qu'il y a... Donc là, si je fais Y, ça fait ce truc-là. Et si je fais X, ça a l'air de les envoyer. Ok. Ce que je veux, c'est une autre route. Oula, petite sauvegarde qui m'a fait peur. Ensuite, ça.
On peut le mettre dans cette direction. Et ça. Et un panneau. Le panneau, on peut le mettre ici. Est-ce que je veux vraiment ça? Non. Non, je vais vouloir... voilà, maintenant quand je fais Y, ça me met dans le mode, mais ça me met pas forcément en plein écran. Toi, je vais vouloir te déplacer en fait... Un, trois cases disponibles, donc ici. Vous, je vais vouloir que vous me rameniez ça. Et je veux aussi ça, mais j'ai pas les sous. C'est pas grave. C'est un peu compliqué de détruire toute la forêt là. Il me ramène pas les ressources. Ils détruisent pas tout, c'est pas génial en fait. On n'a pas besoin d'aller plus loin ici, on va en vouloir. Ah oui, mais je suis plein en fait. Alors, on va vouloir un spark normal. Besoin de Sparks transporteur quand il y a quasi rien à transporter. On veut quand même que... Là. Voilà, et on va vouloir mettre ça, et puis on les déplacera, on les... On les déplacera si nécessaire. Donc c'est des épées d'un côté et des sparks de base de l'autre. Je peux même en fait jeter ça parce que ici... Ah non, 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 rien. J'ai rien dit en plus, c'est pas celui-là. C'est absolument celui-ci qu'il faut si on veut qu'il puisse les récupérer. Vous posez là. Ok. Je vois comment le jeu fonctionne. Il ne veut pas que je joue. Non, c'est pas vrai. C'est peut-être pour ça qu'il me ramassait pas forcément bien. Ou je suis trop rempli. Que je veux, c'est juste un stack de poutre. La carte. Là, on n'a rien trouvé pour se téléporter, mais ici, on a de quoi faire. Je sais pas si c'est plus intéressant de se téléporter ou d'y aller à pied.
Je vais en profiter parce que... Comment j'enlève un marqueur? Merci. Centré sur le village, oui. Pourquoi le centré sur le village avec la flèche vers le haut, il est en bas par rapport au centré sur le personnage avec la flèche vers le bas? C'est dommage. Ici, tu veux ça, tu veux ça. Et du quartz. Quoi, tu voulais 82. On peut trier, ça sera plus facile. 18. Voilà, parfait. Parfait, on a plein de feuilles qu'on va pouvoir poser aussi, tant qu'on y est. C'est où? C'est là. Là, de toute façon, il faut prendre un temps de chargement, donc autant ne pas marcher. On va pouvoir poser... C'est quoi la recette? C'est des bûches, d'accord. Les feuilles ici, normalement. Tac, on peut retrier l'inventaire. On va poser, j'ai un peu oublié, donc on va y poser là-haut, c'est pas grave. Ça. Ici, je me disais bien qu'on était censé avoir des trucs et que c'était censé prendre du temps, quoi. En faire beaucoup. C'est juste qu'ils étaient pas... pas bien prêts. On y retourne. Non. C'est pas dans nos objectifs tout de suite et voilà. Ça suffit comme excuse pour ne pas les choisir. Alors, on a dit qu'on voulait mettre ça ici et là. Que dans un, on veut le bourrer de tout ça. Et que le second, j'aurais peut-être pu en prendre plus, mais on lui met des mines de base. Qui sont là et on voulait quand même réparer l'enclos. Ça me paraît bien. Maintenant on veut échanger les... Ah. On veut faire place nette. Là, on sait toujours pas ce que c'est. Il
Il reste un arbre que j'avais même pas vu tellement il est collé au reste. Peut-être les transporteurs ils sont bien gentils, mais s'il n'y a qu'un seul truc à transporter, ils sont perdus. Regardez là, il en prend un. Et il rentre, alors que théoriquement il pourrait en prendre deux quoi. Là il en prend un et il reste. Ils sont perdus. Pauvre petit. Et ici, il y a déjà plus de sparks normaux. Donc on va remettre un coup. J'en ai plein de lames, alors pour les poser si possible. Ça me paraît bien. Non, je pas fait gaffe. Les mantes serres là, les sermentes, ça va aller. Vous faites quoi déjà? Ramener du bois pour se téléporter ici. C'est juste au-dessus de où je voulais aller, d'accord. Ce serait bien que les icônes soient un peu plus grosses, quoi, parce que là, faut le voir que c'est une épée. C'est un mini épée. Alors, on a des feuilles, voilà. On a aussi des bûches. Ça va nous permettre de récupérer les graines. C'était où? C'était à droite là. Transporteur. Non, les terreaux ils étaient en haut à gauche. Je me disais bien qu'à droite de Slack c'était plutôt des biens sympathiques. Toi, t'es bien dû. On dirait bien. Trop, on se donne. Alors, on peut faire comme l'autre côté. J'ai déjà... Ok, bon, bah, on peut pas. De toute façon, c'est les éclats d'éther qui manquent. Les éclats d'éther. Compliqué. Ici là. Effectivement. Là j'en veux un là, j'en veux un là. Parfait. Parce que là tout ce que je veux c'est créer
éclats des terres pour pouvoir déposer tout mon engrais. Donc on va se faire tous les araignées peintes plus ou moins sauvages du coin. Hein. Oui, les arrêts-peints là, ils résistent à un coup de transporteur. Comment nul les transporteurs. Bon, par contre, s'il vous plaît, quoi, si j'ai envoyé des transporteurs, c'est. Si j'envoie des transporteurs, c'est pour que vous me transportiez les ressources, peut-être. Saison de chance. Ça me paraît pas mal. Ils en voulaient combien des comme ça? 0, 0, 80. 80. J'en suis loin. Allez, on va les laisser travailler un peu. Alors, on va remplir le les ressources ici. Ça veut de ça. Ici, ça veut de ça. C'est déjà pas mal. Moi, je veux ça. Pourquoi ce symbole il clignotait ? Ce symbole. Non, tant pis. Pas besoin de tous les buter. Pas envie quand même, lui. Ouais, le coup de cul, il est fort là. Le coup de cul, oui. Quand ce truc là il recule. Non, mais j'ai plus de sparks à épée. Il faut que j'en produise en masse. Alors, c'est pas la meilleure idée au meilleur moment, mais. Par exemple, parce que j'ai plus rien.
Bois de Mantsir. On y retourne. On va peut-être se TP cette fois-ci. Parce que on peut parier ce qu'on aimerait. Et venir ici. On peut vous te donner ça pour payer un peu plus vite. Ok. Mais j'ai pas mis le bon là. Donc ici, tu veux de ça. Ici, tu veux de ça. C'est bien là, les 6 qui reproduisent. On se rend bien compte que c'est pas suffisant. Qu'on produit, on les met là-dedans. J'en ai 6. C'est bel et bien le nombre que je me souviens d'avoir mis ici. On va plutôt mettre... à la place on va mettre cela. Et je vais quand même en profiter pour prendre un stack que je peux ramener chez ceux du haut. Et ici, comment ça se brosse? Si lui il en a, mais sur stock juste avant, il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? J'ai 40 poutres, ça devrait aller. J'ai que 17 panneaux de bois, je crois qu'on peut utiliser jusque là, mais c'est pas énorme. Voilà, je n'ai que 15 sparks de base. Servir que d'elle. Oh, et du coup j'ai posé tous mes... Voilà.
ici. Je crois que ce truc, il en utilise ouais, 5 et 3. Donc, c'est pas déconnant de mettre un transporteur. D'un côté, il va falloir mettre ça. Et de l'autre, il va falloir mettre du terreau. Après, je peux... parce que là, je m'embête un peu avec les trucs qui sont loin. Est-ce que je peux générer des sparks plus près? Ce serait peut-être ça l'idée, quoi, comme les bricolos. Avoir au même endroit. Avoir au même endroit à la fois les bricolos, enfin tous ceux qui vont se produire au même endroit. Tout simplement. Merci. Désolé. Alors on peut faire les sous. Les bricoleurs, les transporteurs, les coupons et les terreaux. C'est peut-être plus intéressant de les ramener ici, du coup. Sauf que les coupons, je peux les mettre juste au-dessus, il n'y a pas trop de problème. Les terreaux... Et je peux en mettre un là, mais le deuxième, je peux pas le mettre. Je peux retrouver quand même un endroit un peu plus loin. La carte, il y en a là, il y en a là, peut-être, oui. Je peux peut-être mettre les coupons là et les terreaux ici. On va partir là-dessus. Du coup, il faut des bûches et des... des bûches. Je me demande si je fais bien d'avoir ça là. Je pense que les bûches... Par contre, dans l'autre sens, il m'est arrivé de vouloir... déposer des bûches. Donc là, si j'en mets par exemple sur la de 11, est-ce qu'ils les prennent avant de prendre les... Ouais, ils ont l'air de les prendre avant de prendre ceux du... D'ici, donc pour vider mon stock, ça peut être une bonne idée. Donc là, il y en a 6, donc pas beaucoup, mais ici, il y en a 35, donc beaucoup. La vérité, c'est que... ça fait beaucoup. L'inventaire est plein. L'inventaire est plein. Commençons. Pendant le lac de la sauvegarde. À ce que nous étions en train d'imaginer. Lui, il est gênant. Quoi la recette déjà? Le coupant plutôt là-haut, je dirais. Le terreau n'importe où. Le terreau n'importe où parce que
peut-être comme ça. On fait arriver de la gauche le... Et de l'autre côté. On peut faire ça. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de délocaliser tout ça. Et je crains qu'on... Ouais. La délocalisation, c'est bien, on a le move, mais la portée n'est pas illimitée. Regardez en bas à gauche. Je viens de voir qu'on pouvait déjà choisir la recette en fait. Et du coup, ça nous montre en bas à droite la recette qu'on en aura besoin. C'est bien fait. Je me suis rendu compte en descendant la vite et en voyant à ce symbole différent des autres, juste sur la croix directionnelle. Et en le revoyant sur les chemins, donc il y aura d'autres chemins que les chemins en terre. Mais c'est pas pour tout. Alors, oui, d'ici, on devrait accéder à tout ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est... Est-ce que je peux le mettre là directement? Non, on le met là, comme ça, si jamais on veut le faire repartir sur la droite aussi ou quoi. Même le descendre, le monter d'un cran. Ensuite, on veut... ça. On veut ça ici. C'est pas sûr qu'on veuille en stocker d'avance. Pas cela, c'est ceci qu'on veut. Et je crois qu'ils sont un peu lents, mais il en faut 4 pour 2. Ou que celui-ci et celui-ci, il y a besoin de ça. Maintenant, il va falloir produire des feuilles. Comment il s'appelle le forestier l'a bien remarqué. Donc là, on veut par exemple ici faire la recette. Ceci. Et du coup, on va faire ça. On veut qu'une lame, donc une seule lame. Même si la distance est grande, ça devrait lui plaire à celui-ci. Et par contre, je pense que comme ça, ça serait pas mal. Forcément, je suis pas parti du... J'ai pas connecté de ce côté-ci.
Voilà. Et vu que il y a plus de jobs, on va rajouter quelques qui n'ont pas tous allé créer des sparks de base. C'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est bon. Ce qu'il faut faire. Alors, déjà, bon, on veut te récupérer. La route ici, on peut l'enlever. Toi, on va te mettre ici. On veut ceci. On veut cela et on veut qu'il puisse traverser. On veut qu'ici aussi il traverse. Voilà. Et pour tous ces bons et loyaux services, j'admets que toi n'es pas forcément le plus indiqué. On va donc mettre deux transporteurs. Deux transporteurs, c'est déjà beaucoup. Et donc, si je regarde sur la carte, si on pourrait le faire, le coupant, on l'a fait, le terreau, on l'a fait, le bricoleur, on l'a fait, le terreau, on l'a fait, oui. Non, le transporteur, on l'a fait. Transporteur et terreau. Donc, oui, le terreau, on l'a fait. On l'a pas fini, mais on l'a fait. On a mis personne dedans, par exemple. Celui-ci, on a mis personne dedans, par exemple. Ce qu'on veut, on peut les mettre là. On peut mettre ça là, on peut mettre... quel endroit on met, oui, là ça me paraît bien. Ce qui m'embête, c'est que c'est à la gauche du... Ah non, c'est bon. Voilà, et un panel. Un panel. Sauvegarde auto. Quoi ? Tu ne travailles pas parce qu'il n'y a personne pour... les pikmins qui sont créés. Que ça f... Si ça fonctionne, on l'avait vu là-bas. Et donc toi, ben on en avait déjà. En fait. C'est pas ça que je voulais faire. C'est...
ça. Mais on est bien comme ça. Donc, lui, on est bien. Il va me falloir la même chose avec... Toi, t'as réussi à travailler. On va faire un tour des différents sanctuaires de base pour récupérer ce qu'on a mis dedans et autour. Parce que c'est relou d'y aller. C'est compliqué de les automatiser. Déjà, vous revenez tous. Ensuite, l'inventaire est plein. À quel point je vais pouvoir libérer un slot en faisant ça. Et dès que lui il a fini. Et là, il en reste encore. Ça sert à rien d'aller voir les autres, on va rentrer à la base et se vider les pots. Je pense que c'est une idée correcte. Au minimum correcte. J'ai un trou dans mes poches encore. Ça. J'ai tout ça en fait. J'ai beaucoup trop de lames en bois. On va poser ce qu'on peut poser. Je pense qu'on va... temporairement non mais là aussi on peut faire ça j'ai rien dit
ici, je vais faire la même astuce que pour les bûches. Voici l'entrée principale. Bellam. Ça me paraît bien. Voilà, là, on a. On peut libérer l'espace. Eux, ils ont respawn. On va pas leur dire bonjour. Ils me paraissent beaucoup trop violents. Juste, je veux quand même vérifier. Qu'est-ce qui m'offre? Ça, on a plutôt ça. On a plutôt prendre. Suivant. Ça donc non, on n'a pas tant d'épée que ça donc pas la peine. Quoique, si hein. Assez, mais attaquer l'arni, c'est pas. Il faut mieux d'abord les défoncer eux. Comment ce sapin. Pourquoi ce sapin, je sais qu'il va me rapporter des bûches, mais pas celui-ci. Il y a des toiles d'araignée? Maintenant, celui-ci, je sais qu'il va me rapporter des bûches. Okay. Si vous voulez. Je comprends la différence théorique, mais waouh. Alors. J'aurais peut-être pas dû faire dans cet ordre-là. Ça. On reprend ça. L'inventaire est plein. L'inventaire est plein. Je peux prendre ça. Okay. Donc il faut que je revienne. L'inventaire est plein. Le truc c'est que les terreaux... j'en voulais combien, 80 je crois. Je crois que j'en voulais 80. Récupérer plus de cristaux d'éther. Qu'est-ce que j'ai de rab? Est-ce qu'il y a... Thank you.
Ok. En faisant toutes ces conneries de test de comment ça fonctionne, j'en ai perdu celui qui travaillait là, mais c'est un comme ça que je voulais. Hop. Vu que quand je passe le curseur dessus, je vois le symbole, je pensais que en attirant, ça les attirait tous ceux du symbole, quoi. Ça attirait tout le parc, mais en fait, non. Qu'est-ce que j'ai quand même beaucoup de choses sur moi. Jamais ça passe. Jamais ça passe. Ça, je vais presque en trop. Je pense qu'on va aller poser, récupérer les trucs ici, là. Il en reste 6. Il en reste 6. Qu'est-ce que je peux faire? On peut se débarrasser de rien dans ce jeu. À part en allant volontairement faire crever nos Pikmin. Si, on peut se débarrasser d'eux d'ailleurs. Attendez. J'en ai combien? 10, 20. Et j'en ai 80. J'en ai 80, donc on va se centrer sur le village. Et on va les poser parce que c'est la mission d'en avoir 80. C'est la mission de qui, par contre? Pas de toi. J'ai déjà oublié ce qu'elle voulait en premier. Pas de toi parce que c'est les coupons que tu veux. Quoi, non, souche 80. C'est des souches que tu veux, c'est pas des terreaux. Ok. Je les ai confondus, mais à part ça, tout va bien. Donc j'en ai des tonnes. Ils servent à pas grand chose, donc on va essayer de les poser ici. Voilà, c'est déjà trop tard. On va les farmer, hein. Si je me souviens bien, non, c'est autant. Oh, j'ai réussi en rate. Ce qui va me donner... Oh, feuille. Sauf que j'ai ramassé un caillou, du coup c'est mort. Ça va m'arranger. On peut les poser là. Il faudrait qu'il m'en donne pas trop. Ah.
tout simplement, on leur dira tous de se planter. Est-ce qu'il restera 10 après ? Succès reboisement. Et là, je sais pas si on veut des épées ou des normaux. On va dire qu'on veut des épées juste parce que j'en ai deux slots. Du coup, je peux plus facilement les envoyer à la chaîne. Dernier buisson récalcitrant. On voit deux sparks chacun et c'est réglé. Même si je pense que j'en aurais besoin à un moment. Si, est-ce que c'est bien d'avoir ce slot? Oui, parce que ceux de base, on en veut plein. Quoi. On aimerait que ce soit blindé. Du coup, il en faut 80 souches, on n'y est pas. 80 coupants. D'accord, donc là on en est à 30. La production parce qu'on en avait besoin à un moment que maintenant on en a trop. On pourrait, dans l'idée, on pourrait avoir une deuxième comme ça là-haut par exemple, ici, enfin n'importe, sauf que déjà l'approvisionnement en spark souche il est limité. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est rajouter un transporteur au moins. Je voudrais éviter d'en mettre trop pour que eux ils les emmènent à la vitesse qu'ils peuvent, mais pas trop vite pour que ça commence à se remplir.
Normalement, j'ai un stock ici à l'arrivée. Et un double stock au départ. Est-ce que je le veux là ou je le veux là-haut? En fait, la plupart des trucs, ils sont là-haut. Là, je redescends juste pour ça. Donc, on va déplacer ça. Est-ce que ça aurait été plus rapide de le refaire? Peut-être. Oh, super. J'espère plutôt qu'il est déplacé. Et surtout, ce que je me dis... Ça... C'est le transport au transporteur. Bon, il n'y en a plus. Envoyer 5 ou 6, ça devrait être largement suffisant. Alors, on veut. Est-ce qu'on peut l'enlever et ce rocher ou pas du tout? Non, on ne peut pas. Alors, ce qu'on veut. Pas grave, on va le faire. Ça, on remplit d'abord là où ça produit à la chaîne, ensuite là où je peux récupérer, voir s'il y en a de loin, et ensuite là où on fait des stocks pour les prochaines missions. Et on en a 21. Vous savez quoi, eux aussi on va les rappeler. Ceux qui font ça c'est bon, mais là on veut des transporteurs. 14, ça me paraît un joli chiffre. Est-ce qu'on veut quand même ramener beaucoup ici et que lui soit toujours alimenté? Oui, j'ai pas laissé longtemps désalimenté et il était déjà retombé à 15. Le téléporteur. Et celui-ci, il faut que ça produise, quoi. Vraiment. On veut que ça produise le sans discontinu. Je vais dire le plus vite possible, c'est peut-être abusé. Dire ça. Donc on va reposer les quelques lames qu'on va avoir le droit de poser. Voilà, ça nous enlève pour un stock et un stack. On en a 43. 60. Parce qu'on veut à la fois des coupons et des... Moi j'en ai 20 plus 10, ok. Juste ici en 40. Là j'en ai pas beaucoup. Aux arrêts peints là.
On va peut-être même... Mince. On va peut-être même essayer de chasser l'éléphant abeille là. On en trouve. Voilà, il y en a un ici. Ça en prend. C'est exactement pour ça qu'on est en train de faire le tour. Non, c'est pas ça que... Et après, il n'y aura rien d'autre. Oui, j'ai de la place pour ça. En troisième, oui. Donc on a perdu 6 épées pendant le process d'attaque de l'éléphant, sauf qu'attaquer un éléphant nous a rapporté plein de fragments d'éther qui eux-mêmes se transforment en encore plus d'éclats d'éther. Je sais pas où j'ai mis les carapaces de scarafandre d'avant. Mais j'y mettrai bien les boîtes de mansère avec. Ou alors, je garde jusqu'à ce que... Donc nécessaire. On en a combien? On en a 60. Est-ce qu'on en a 20 de plus ou pas? Pas 29. Ouais, non, là, clairement, il y en manque. Manque quelques transporteurs. Et vous, on en a combien? On en a 30.
Je pense qu'on va quand même faire un tour au village. On va voir ce qu'on peut poser de partout et puis. Le quartz, non. Faut qu'on aille dans la montagne. Oh, désolé, désolé, désolé. Les 160. Je me suis débarrassé des feuilles pour créer des trucs, mais non, en fait, il fallait des feuilles. De l'écorce, ça, on en a au moins une quarantaine. Ça se produit bien. Toi, tu veux de la pierre? Il y a quelqu'un d'autre qui voulait de la pierre. On veut 80. Alors les sparks qu'on peut te donner. La moitié. Et puis on va lui donner les souches qu'on peut pour le moment. Épisode. J'espérais aller dans la montagne, mais en fait, truc. On va le faire au prochain. Est-ce que c'est une certitude qu'on va aller dans la montagne au prochain épisode? On va. La certitude, c'est qu'on va essayer d'avancer, mais on va avancer dans quoi? Il nous faut des coupants. Il nous faut des trucs. Il nous faut trop de trucs. On verra. Je vais réfléchir là à l'arrêt de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.